Moi, ce qui me fait lever le matin, c'est la perspective d'une nouvelle journée, de faire avancer un petit peu plus tous les projets que j'ai en cours. Moi, c'est pareil, c'est d'avoir mes clients au téléphone, de parler business, parler projets. L'équipe aussi, hein, c'est eux qui me font lever aussi le matin. Pour ma part, ambitieuse, empathique et définitivement trop gentille. Et moi, bah, également ambitieuse, créative et aussi perfectionniste. Premièrement, très important de s'entourer d'entrepreneurs bienveillants, notamment à travers des réseaux, par exemple. Moi, je dirais ne pas écouter les craintes et les peurs des proches, de la famille, des gens qui vous entourent, tout simplement. N'ayez peur de rien. Voilà, n'ayez peur de rien. Osez, parce que rien n'est impossible. Doutez de rien. Simplement parce que nous, notre histoire d'entrepreneuse, en fait, elle a commencé aussi dans un réseau de femmes. Oui, avec des femmes inspirantes et bienveillantes qui nous ont aidées à lever toutes nos craintes, nos angoisses, nos questions, qui nous ont aidées à pousser les portes pour nous impulser. Et naturellement, puisqu'aujourd'hui, notre impulsion de départ, elle est derrière nous, et ben, c'est notre rôle. Et on a très envie aujourd'hui de raconter notre expérience et peut-être d'aider d'autres femmes aussi. Pas sûr. À se lancer dans un projet entrepreneurial. Alors retrouvez-nous nombreux derrière vos écrans à partir du 4 décembre pour assister aux émissions du forum. Bye bye. Bye bye.